Bonjour à tous, j'ai beaucoup trop de cheveux sur la tête, mais ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. Quand on parle de débit informatique ou de volume de stockage, il n'est pas toujours clair de s'y retrouver entre les bits, les bytes, les octets, les teraoctets, les mégabits, les mégabytes... Bref, on va mettre les choses au clair. Pour commencer, essayons de comprendre ce que représente un bit dans le langage informatique. Le terme de bit provient de la contraction de binary digit, ce qui signifie chiffre binaire. Et en effet, le bit ne peut avoir que deux valeurs numériques, 0 ou 1. D'ailleurs, retenez bien ça, on le note petit b. Le bit, c'est un peu la base de tout ce qui constitue votre ordinateur. Tout ce que vous faites et tout ce que vous enregistrez sur votre ordinateur sera considéré par ce dernier comme une suite de 0 et de 1. On peut dire en quelque sorte que votre ordinateur pense en 0 et en 1. Donc, ok, le bit ne peut avoir que deux valeurs, pas terrible. En revanche, si on fait des groupes de bits, on peut tout simplement augmenter le nombre de valeurs possibles. Pour vous donner un exemple, avec un groupe de 2 bits, on peut aller jusqu'à 4 valeurs possibles, avec un groupe de 3 bits, on peut aller jusqu'à 8 valeurs possibles, et avec un groupe de 4 bits, par exemple, on peut aller jusqu'à 16 valeurs possibles, etc., etc. Et lorsqu'on arrive à un groupe de 8 bits, on obtient 256 valeurs possibles, et ce groupe de 8 bits possède un nom bien spécial, c'est ce qu'on appelle un octet. Donc voilà, un octet c'est simplement un groupe de 8 bits qui permet d'adopter 256 valeurs différentes, et on le note petit o. Et comme vous le savez, il est utilisé comme unité de mesure pour définir le volume de stockage d'un disque dur, par exemple, ou d'une clé USB, ou encore de tout autre support de stockage numérique. Et donc venons-en au byte. Beaucoup de gens pensent qu'il s'agit exactement de la même chose qu'un bit, notamment à cause de la ressemblance orthographique. En réalité, byte, c'est tout simplement le mot anglais pour dire octet. Mais oui. Et donc vous êtes maintenant sûr que un octet, c'est égal à 1 byte, mais également à 8 bits. D'ailleurs, faites attention, le byte se note B majuscule, voilà comment on peut le différencier du bit qui se note B minuscule. Ok, maintenant, compliquons un peu les choses. Lorsque vous ajoutez le préfixe kilo, méga, giga ou même tera devant bit, byte ou octet, eh bien c'est exactement comme quand vous parlez de kilomètre au lieu de parler de mètre. 1 kilomètre est égal à 1000 mètres, et bien ici c'est exactement pareil. 1 kilobit c'est donc égal à 1000 bits, 1 mégabit est égal à 1000 kilobits, et 1 gigabit est égal à 1000 mégabits, etc., etc. Il en va de même pour les octets et donc pour les bytes aussi. Alors attention, parce que je vous vois venir vous derrière vos claviers. Parce que oui, en réalité, dans le cas des octets, et donc des bytes, c'est un petit peu plus compliqué que ça. Effectivement, on dit généralement que 1 gigaoctet est égal à 1024 mégaoctets. Parce que oui, concrètement, on devrait parler de kibioctets, de mébioctets, de jibioctets, et effectivement ici, 1 gigaoctet est égal à 1024 mébioctets. Mais concrètement, personne ne dit jamais ça. En revanche, ne soyez pas étonné que votre disque dur de 2 teraoctets n'affiche sur votre ordinateur que 1,81 teraoctets. C'est justement lié à la différence entre ces termes. En effet, 2 teraoctets au sens strict du terme, donc 2000 gigaoctets, équivaut à 1,81 tebioctets, puisque 2 tebioctets valent 2048 gibioctets. C'est bon, ça va toujours? Je vous ai pas perdu? Bon, vous inquiétez pas, on va finir sur quelque chose de moins tordu. Comme je l'ai dit au début de la vidéo, en plus d'utiliser ces grandeurs pour mesurer des valeurs de stockage, on les utilise également pour mesurer des débits. Le débit en informatique, c'est tout simplement la quantité de données, d'informations, qu'on transfère par seconde. Donc plus le débit est élevé, plus on transfère de données par seconde. C'est donc un débit qui va définir la vitesse de votre connexion internet, mais également la vitesse de lecture et d'écriture de vos disques durs ou de vos SSD, etc., etc. Quand vous mesurez votre débit sur un site comme speedtest.net, il est affiché en mégabits par seconde. En revanche, quand vous téléchargez un jeu sur Steam, par exemple, le débit est donné en mégabytes par seconde, ou en mégaoctets, c'est la même chose. Ne soyez donc pas étonné de voir un débit bien inférieur à celui que vous auriez pu mesurer sur speedtest.net, par exemple. Si vous aviez mesuré un débit descendant de 16 mégabits par seconde sur speedtest.net, eh bien il faut savoir que ce sera équivalent à 2 mégaoctets par seconde, soit 2 mégabytes par seconde. Voilà, j'espère que cette vidéo aura mis fin à vos doutes sur ce sujet. D'ailleurs, n'hésitez pas à poster un commentaire si vous avez des questions ou s'il y a quelque chose que vous n'avez pas bien compris, je prendrai le temps d'y répondre et ne vous inquiétez pas, je réponds assez vite. Et si la vidéo vous a plu, bah laissez un like. Sur ce, portez-vous bien et à la prochaine !